tu penses qu'il y a des papas et des mamans chez les vers? Oui, parce que déjà, quand on a vu dans notre barquette, il y avait un petit frère et, une maman. En fait, ils sont loyaux, petits et grands. Donc en fait, c'est la taille du vert qui fait leur, si c'est un garçon ou une fille. Aussi leur couleur. Il y en a qui sont plus foncés, il y en a qui sont plus clairs. Donc avec les différences, on peut savoir. Par exemple, on peut savoir que le papa, il est clair ou pas clair ou un peu défoncé le papa. Alors, les foncés, c'est les papas et les clairs, c'est les mamans. Ça, on peut dire oui. On peut dire oui. Alors, pas vraiment, c'est pas si simple que ça. Les verts, en fait, en plus, c'est pas comme nous, il n'y a pas des garçons, des filles comme nous. Vous avez remarqué, il n'y a pas de petits zizi sur les verts. Bah oui, ils sont filles et garçons en même temps. C'est comme les escargots. Comment ils font pour faire pipi ou caca? Mange la terre. Et par où ils mangent de la terre? Par leur bouche. Par la bouche. Et quand ils ont fini, il y a un trou, voilà. Ils fassent caca. Mais par quoi ils sortent le caca? Par le derrière. Est-ce que les vers ont des yeux? Est-ce que vous avez vu des yeux sur les vers? Non. Oui. Oui. Non. Ah, t'as vu? Moi, j'en ai vu sur la terre. Peut-être que c'était autre chose, mais eux, ils n'ont pas d'yeux. Justement, ils détestent quoi, eux? La lumière. Mais vivez-vous? Dans la terre, est-ce que dans la terre il y a besoin de lumière? Non, donc déjà les yeux leur servent à rien. Ils n'ont pas d'yeux, mais ils sentent en fait tout ce qui est chaleur aussi. Dans la terre, vous avez vu, des fois il y a des endroits froids, des fois des endroits chauds. Et à quoi ça sert les anneaux pour les vers? Ils ont des pattes les vers? Non, ils rampent. Dans la barquette de Raphaël, le ver de terre il faisait un gros arrondi et après ça recommençait comme des petites vagues. Pour ramper, ça faisait des vagues. Avec Islam et Ulysse, sur les vers, on avait vu qu'il y avait une espèce de fourmi avec une longue queue, je ne sais pas ce que c'est, et on a vu qu'elle a marché sur lui, et on s'est dit qu'est-ce qui peut se passer si une autre bête te marche sur un ver de compost. Après, ce que vous observez, c'est très intéressant. C'est évidemment, là, on les a mis dans des petites boîtes plastiques. Eux, ils vivent pas dans des petites boîtes plastiques. Ils vivent dans le gros composteur. Et là, on les a sortis de leur habitat. Donc, ils sont un peu gênés. Comme tu as pu remarquer, oui, ça bouge un peu partout. Donc, ils pouvaient être un petit peu gênés. Mais c'est pour ça qu'on va les remettre après. Mais quand la petite bête monte sur le ver, ça doit pas lui faire grand-chose. Parce qu'elle est toute légère. Et ils vivent tous ensemble, en fait.